Et bonjour, bonjour, nous revoilà pour une petite vidéo. Cette fois-ci, on intitulera un message de tes guides. Alors, je voulais juste avant proposer un tirage au sort pour gagner une guidance. Alors, soit par téléphone ou soit par mail, comme la personne préférera. Pour ça, il faudra juste s'abonner à la chaîne et partager cette petite vidéo autant que vous le pouvez. Le tirage au sort aura lieu jeudi soir. Je ferai la vidéo jeudi soir du tirage au sort. Alors pour participer, il faut aussi peut-être me mettre en commentaire de cette vidéo votre nom et me contacter par mail. Je mettrai en barre d'infos, je mettrai le lien du mail ou sur la page des guidances de Mamina. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire avant. Donc merci à tous d'être là, merci aux nouveaux abonnés. Je voulais dire merci aussi quand même, c'est gentil. Je suis abonné à la chaîne. Et puis on y va pour le message de tes guides que tu as besoin d'entendre ici maintenant. On va commencer avec le petit oracle de la forêt, parce que j'ai. Ah, il y en a qui sont retournés. Danse. Danse, persévérance, danse. Si tu as envie de danser, danse. Tu vas percer dans la danse. T'entends? Tu vas percer dans la danse. Message de tes guides. Allez, on y va, c'est parti. Message classique. Hop là. Alors, danser. Je sais pas si. Il y a trop de lumière. Bon, je ne sais pas si on voit. Je ne sais pas si on la voit parce qu'il y a beaucoup de lumière. Parce qu'il fait encore nuit, mais je ne crois pas qu'on la voit bien. Peut-être que si j'avance. Ah voilà, j'ai trouvé. Je le fais avec le PC pour une fois. Danser. Ben voilà. Hein. Message de tes guides. Message de tes guides, il te dit, autorise-toi à prendre du plaisir chaque jour. Comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. Voilà, le message de tes guides, c'est voilà, j'entends, prends du plaisir. Autorise-toi à prendre du plaisir. Pourquoi, si une vie dénouée de plaisir, mais quelle tristesse, je te dirais, hein, prends du plaisir. Prends du plaisir à faire tout ce que tu fais. Prends du plaisir à manger. Prends du plaisir avec tes enfants, c'est les vacances. Hop là, t'as de la chance, alors danse avec les enfants. Surprise! Sous la pierre la plus ordinaire se trouve un jardin préservé. Alors, danse et surprise. J'ai envie de te dire, bah, danse pour changer les énergies. Peut-être si dans la maison c'est trop pesant, si peut-être voilà, c'est un peu trop tendu, on te dit, bah, danse, prends du plaisir. Prends du plaisir, du plaisir, du plaisir. Prends du plaisir et tu verras de belles surprises arriver. Résilience, lâche l'affaire. C'est ce que j'entends, résilience. Soyez fort face aux épreuves de la vie, telle une forêt qui résiste à un orage. Voilà. Alors, c'est peut-être que certains, quelques-uns ou quelques-unes qui verront cette vidéo, ils ont l'impression de vivre des choses difficiles en ce moment. Mais on vous dit un petit peu là, là je fais de la place. On vous dit là, les guides vous disent lâchez prise. Détendez-vous, prenez du plaisir. Alors oui, c'est difficile, le moment idyllique derrière. Prenez du bon temps, hein. Prenez du plaisir. Pourquoi vous prenez plus de plaisir? Pourquoi tu prends plus de plaisir? Je veux dire tu. On verra de vos études, de vos mots, parce que c'est peut-être un message pour moi aussi. Voilà. On te dit danse, lâche prise, détends-toi, prends du plaisir et tu verras une belle surprise arriver. Tes guides te disent que oui, c'est vrai. Il y a des étapes qui ont été et qui sont encore difficiles pour toi. Mais on te dit, reste fort face aux épreuves. Hein? Ne fuis pas, en fait, c'est ce que j'entends là. Ne fuis pas face aux épreuves. Alors, oui, les épreuves, elles sont difficiles, mais il faut que tu t'autorises toi aussi à reprendre du plaisir, à prendre du plaisir. Et tu verras une belle surprise arriver. Je ne sais pas du tout lesquels je vais prendre. Je vais commencer avec la libération. Non. Attends, le non, il a carrément l'a fait jeter. Je vais commencer avec la sagesse universelle. Message des guides, alors on va.
ton pouvoir avec la sagesse. Nous avons un guide de sagesse avec nous ce matin. Bonjour. Hop là. Souvenir d'or. Acceptation. Ok. Ce sont belles les cartes, mais je pense vraiment qu'il y a trop de lumière. Je vais essayer un truc. J'ai peur de faire tout tomber, parce que moi... Mais je vais voir un truc. Si je mets la lumière plus bas... Ouais, non. Non, ça change pas grand-chose. Je vais voir si je la mets là. Ouais, mais j'ai pas fait le tour de cette tour de pile. Si je fais ça... Hop, peut-être... Il y a... Peut-être qu'on peut mieux voir. Non, ça change rien. C'est pas grave, on aura essayé. Souvenir d'or. Alors, c'est que du jaune. C'est que du jaune. Hein. On vous dit, voilà, ayez confiance en vous. Aie confiance en toi aussi. Accepte. Le doute deck, c'est acceptation. C'est accepte certaines choses aussi qui sont en toi. Accepte. J'entends accepte tes capacités. Accepte tes capacités. Souvenir d'or. Regarde. Je vais lire de mes âges la carte. Alors, souvenir d'or. Cette carte apparaît dans votre tirage pour vous aider à soulager vos peurs et préoccupations en ce qui concerne votre avenir et l'avenir de notre planète. Donc, on dit là, oui. Peut-être que là, tu as l'impression de vivre une épreuve parce que tu sais pas où tu vas, tu sais pas qu'est-ce que tu dois faire. Donc, tes guides te disent là vraiment lâche prise, hein, danse. Si tu lâches prise et que t'es pas constamment dans le contrôle, peut-être que tu vas avoir une belle surprise arriver. Hein? Tout ce qui se manifeste dans votre vie et dans le monde autour de vous a une raison d'être positive. Il existe une raison supérieure, un sens profond à tous les événements de la vie. Visualisez la paix et l'amour au cours de vos méditations et de vos prières. Il faut conserver la foi, même si parfois vous ne pouvez pas donner de sens à ce qui se passe. Ayez confiance dans le pouvoir guérisseur de l'amour, car c'est seulement à travers l'amour que la paix se manifestera un jour. La morosité de notre monde actuel fait partie du processus de nettoyage de l'humanité. Tant que la haine et la peur remonteront à la surface, elles se libéreront et se transformeront. Nous avons sans cesse des opportunités de guérir. Sachez que vous êtes en sécurité, enlacé par les bras de l'amour. Vous faites partie de l'esprit éternel qui ne peut jamais être détruit. Tout est contenu dans les mains aimantes de Dieu ou de la déesse pour toujours, tout ce qui est. La tempête actuelle va se calmer et révéler la lumière qui brille dans chaque cœur. Vous pouvez être d'une très grande assistance pour votre entourage en gardant la foi, en restant positif en ce qui concerne l'avenir de la planète. Ayez confiance, car tout est exactement comme il se doit être. Donc, le message qu'on te dit là, c'est voilà, c'est... Sois confiant, tout ce que tu es en train de vivre là, ici et maintenant, c'est pas pour rien. Donc on te dit, en attendant, prends du plaisir. Prends du plaisir, c'est très important. Ils insistent, prends du plaisir. Alors, on continue avec les vies antérieures. On va commencer. Enfin, la vie antérieure. Quand je prends les vies antérieures, c'est pour voir un petit peu ce qu'il y a à travailler. Parce que c'est un peu simple. Si on reste sur ceux qui ne sont pas très croyants des vies antérieures. Alors, un message. On dit être spirituel, voilà. On nous dit là, savoir antérieur, être spirituel. Tes guides te disent là ce que tu es en train de vivre. C'est une épreuve spirituelle. Alors, ça ne va vraiment pas parler à tout le monde, hein, ce tirage. On dit que ce que tu es en train de vivre, là, ici et maintenant, c'est, j'ai envie de dire, une initiation spirituelle. On te dit que tu as tout en toi. Je ne sais pas pourquoi je chante. Tu as tout le savoir antérieur. T'as tout en toi pour t'autoriser et réapprendre à prendre du plaisir. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On te dit, c'est pas parce que tu vis une vie spirituelle que tu n'as pas le droit de prendre du plaisir aussi.
C'est pas parce que t'es sur un chemin spirituel que t'as pas le droit de prendre du plaisir. Merci, femme, t'as l'air inconnue. Ok. Alors, c'est vraiment, là, ça va vraiment parler ange terrestre. Et ben voilà, ça va vraiment parler. J'ai envie de dire, c'est un message pour toi. Pour toi, ange terrestre. Message pour les anges terrestres. Voilà. C'est comme ça que je vais l'appeler. Message pour les anges terrestres. Alors, je vais l'écrire parce que des fois, après, j'oublie. Et comme je regarde pas, toujours, je vais le noter. 3 secondes. Hein. Il faut juste un bout de papier. Je vais l'écrire derrière moi. Message pour les anges terrestres. Alors, j'ai envie de te dire. Alors, message. Ange terrestre. C'est ouf. Alors, message pour toi, ange terrestre. Alors, oui, tu es en train de vivre une initiation spirituelle. Oui, tu as tout en toi. Je réponds à tes questions. Oui, tu as tout en toi pour aller vers ce chemin de résilience. Alors oui aussi, tu as l'impression de ne pas être à ta place dans ta famille, j'ai envie de te dire de sang. Et que ça fait partie aussi de ton initiation d'être spirituel, de retrouver ta famille d'âme. De retrouver ta famille d'âme avec tout ce qui est en lien aussi avec la planète. Il y a un truc avec ça. Il y a un truc avec le fait de retrouver sa famille d'âme pour ensemble défendre une cause pour la planète, ce que j'entends. On te dit, il faut que tu aies de la résilience sur le fait. Alors, la résilience, ça se travaille. Hein, et voilà. On te dit, par rapport à ta famille terrestre, te dis même si t'as pas l'impression, si t'as l'impression de pas être à ta place dans cette famille, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est comme ça, c'est toi qui l'as décidé. Oui, je sais, tu peux crier. J'aime bien dire ça. Oui, tu sais, tu peux crier. C'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui as choisi cette famille. Tu t'es mis d'accord avec eux avant de descendre. Donc voilà. Je sais qu'il y en a, ils vont pas être contents quand je vais dire ça. Moi-même, d'ailleurs. Alors, on te dit que t'as, si, tu prends le temps, de te poser, si tu prends le temps de méditer, tu vas comprendre, tu vas être surpris du savoir intérieur que tu as en toi. Et c'est un espèce de savoir ancestral, ce que j'entends. Tu vas être surpris, tu vas te souvenir. Ça va être un souvenir en or qui va remonter là. Un savoir ancestral qui va remonter à toi. Mais il faut que tu t'autorises à prendre du plaisir. Si tu ne prends pas de plaisir là, ici et maintenant, tu ne pourras pas accueillir ce savoir ancestral comme il se doit. C'est ce que j'entends là. Hein. On te dit qu'il y a des êtres spirituels qui, dans ça, tu as vu, je pense aux soufistes. Les soufis, et c'est marrant parce que j'en parlais encore il n'y a pas très longtemps. Et les soufis, pour se connecter au divin, ils dansaient, ils tournaient. Les derviches, ils tournaient, ils tournaient, ils tournaient. Ils disaient que ça les connectait au divin aussi. Donc on te dit aussi, pour te connecter au divin, la danse, prends du plaisir à danser, mets la musique à fond et lâche-toi et danse. Parfois, il faut libérer ce que j'entends là aussi. C'est en dansant, tu vas libérer aussi des énergies stagnantes en toi. Tu bouges, tu relâches tout ton corps. Et je le disais encore hier, quand tu vas en. Moi, j'aimais aller en boîte de nuit. Je n'étais pas une grande fan, mais j'aimais y aller juste parce que la musique était forte et je pouvais danser, danser, danser. Ça m'aidait. J'ai même pas besoin de boire, rien. Ça, c'était avant. Non, je rigole. Non, je suis pas fan d'alcool. Mais voilà, on te dit, si tu prends du plaisir. Si tu prends du plaisir, la télé te dit prends du plaisir et tu vas avoir une belle surprise arriver aussi. Ce que j'entends là aussi. Aussi, j'entends ça. Laisse cette belle surprise arriver. Je vais regarder ça à l'intérieur. Il y a des cartes comme ça, on tombe rarement dessus. Alors, du coup, je vais quand même regarder. Qu'est-ce qu'elle dit?
Alors, on dit là que ton âme s'est faite une très grande promesse. Utilise cette grande leçon de vie dans ta prochaine vie pour te reconnecter avec cette sagesse acquise. Tu dois juste penser à ce qui a toujours été important pour toi depuis ton plus jeune âge. Donc tes guides là, ils te disent que tu as un savoir ancestral en toi. Tu as un savoir ancestral en toi et que pour te connecter à ce savoir, tu as juste à te connecter à la chose qui te mettait le plus en joie quand tu étais enfant. Qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais petit? Qu'est-ce qui te mettait le plus en joie? T'as vu, il y a des choses qui... Qu'est-ce qui te mettait en joie? Et là, tu vas trouver ton savoir. Là, tu vas trouver ton savoir si tu te reconnectes à qu'est-ce qui te mettait en joie en fait, quand tu étais petit. Alors, je survole comme ça. Alors, ah, tu es prêt et une belle réussite t'attend dès maintenant si tu parviens à utiliser les capacités et compétences que tu as en toi depuis que tu es né. Ok? Message de tes guides, il est... Enfin, c'est pour les anges, message pour l'ange terrestre. Et là, j'entends aussi... J'avais entendu une fois quelqu'un qui avait dit faire quelque chose de dangereux, d'ange heureux. Prends du plaisir, t'as vu? Et des fois, on te dit là, prendre du plaisir, c'est voilà, faire quelque chose qui pour toi paraît dangereux. Mais peut-être que de le faire, eh ben, tu vas te rendre compte que tu es un ange heureux. On va continuer avec. Je vais prendre les maîtres ascensionnés. Je sais à combien? 17, ouais, je vais en prendre. Pas encore, pas encore. Ok. Donc déjà, tes guides, ils te, ton guide, tes guides te disent, ben, déjà, tu es un être spirituel, ok, tu as un savoir sur certaines choses et peut-être que ça se réveille en ce moment, donc du coup, tu as du mal à prendre du plaisir. Femme bison blanc. Alors, je vais toutes les sortir. Osiris. Femme bison blanc, Osiris. Donc, j'entends là qu'il y a aussi un savoir antérieur par rapport au masculin. Et qu'il faut que tu apportes de la paix. Tes guides te disent apporte de la paix. Que tu sois un homme ou une femme, si tu écoutes ce message. On te dit là de faire la paix avec les masculins de ta vie. Avec le masculin. On te dit de faire la paix, tes guides te demandent de faire la paix avec le masculin. Restez concentrés. De faire la paix, alors, de faire la paix avec ton masculin ou les masculins qui ont joué un rôle important dans ta vie. On te dit là aussi, offre la paix. Et pour offrir la paix, il faut pardonner. Pardonner, et vous, c'est comme si, ceux qui écoutent ce message, hein, vous savez que, au fond, vous savez que de toute façon, il n'y a que le pardon qui va pouvoir vous aider. Et c'est marrant, il y a Osiris et après, il y a Apollon. Femme bison blanc, c'est celle qui a ouvert le calumet de la paix. Être spirituel. On te dit aussi, toi, tu es quelqu'un qui, voilà, au bout d'un moment, fais la paix. Fais la paix aussi, ce que j'entends, fais la paix avec ton côté spirituel. Le fait que tu sois un être spirituel, le fait que tu aies des capacités, que tu... Voilà, fais la paix aussi avec ça. Accepte ce que j'entends. Avec Osiris, j'entends aussi qu'on parle du masculin intérieur. Demande à ton masculin intérieur. Comment retrouver ta famille spirituelle? Que tu es une belle personne, que tu es une belle personne qui est souvent prête à offrir la paix et à pardonner pour avoir la paix aussi. On te dit, même si c'est difficile, reste concentré. Reste concentré,
Reste concentré sur ta mission d'ange terrestre. Hein? Reste concentré sur ta mission d'ange terrestre. Tu as tout le savoir en toi pour te diriger aussi, ce que j'entends, te diriger vers le chemin qui te procurera le plus de paix. Concentre-toi sur tes forces. Concentre-toi sur tes forces et tu verras que en te concentrant sur tes forces, en te concentrant sur ce que tu sais déjà et en prenant du plaisir, tu vas trouver tout seul le chemin. Tu vas trouver tout seul le chemin. Si là, tu es un peu perdu sur le chemin, on te dit concentre-toi sur tes forces. Demande à ton masculin intérieur de t'autoriser à prendre du plaisir, c'est ce que j'entends. Que c'est pas parce que t'es un être spirituel que t'as pas le droit de prendre du plaisir, au contraire. Au contraire, je dirais, parce que plus tu prendras de plaisir, plus tu seras en joie, et plus mieux tes vibrations seront hautes. Hein? Je vais prendre, encore nous sommes à 21 minutes. Qu'est-ce que je vais prendre? Parce que c'est un beau message. Hein. C'est un message vraiment, message de tes guides qui est vraiment axé sur le côté spirituel. Je savais que c'était un message pour toi. Un message pour toi qui chemine. Mais c'est vraiment qui chemine spirituellement. Hein, on te dit reste concentré, reste connecté à la nature aussi. Hein. Reste connecté à la nature. Juste regarde. Aide les autres. Aide aux autres. Oh punaise, voilà. Ange terrestre et derrière, il y a aide aux autres. Quoi. Alors, tu sais aussi que ta mission, voilà, c'est d'aider les autres. Mais j'entends là aussi, c'est aider les autres. Mais parfois, aider les autres, c'est prendre du plaisir pour soi, pour pouvoir revenir et être mieux pour les autres. Si toi, tu prends jamais de plaisir, mais tu guides les autres à prendre du plaisir et que tu les vois prendre du plaisir, mais que toi, t'en prends jamais parce que tu es tout le temps en train d'aider les autres, au bout d'un moment, tu vas être fatigué, c'est logique et normal. Donc, on te dit aussi, respecte le fait que tu dois te retirer au calme dans la nature pour aussi après réceptionner les messages plus calmes, hein, pour pouvoir écouter ton cœur. C'est un beau message. Alors, je vais prendre encore, puisqu'on est vraiment axé sur le spirituel. Je vais prendre l'oracle d'Isis. Ouais, Isis ? Non, je sais pas. J'attends, ok, Métatron, d'accord. Métatron. Comme c'est très spirituel, et Métatron, c'est aussi les enseignements et les protections. Alors, Métatron. Message clair de paix. Merci. Alors, Hawaï, chakra cœur. Ok, je vais en sortir 3. 3. Sandalphon, le prophète. Alors, oh, c'est excellent, hein. C'est vraiment excellent, j'adore. Sandalphon, c'est l'archange de la musique. Donc voilà, hein. Chakra cœur, Hawaï, c'est là où il y a le chakra cœur de la terre, télépathie. La cuisine, avenir, projet et objectif. Cuisine, voilà. Alors, on te dit là que là, tu es en train de travailler sur tes projets et sur ce que tu veux voir pour l'avenir. On te dit que l'endroit de la pièce de la maison où on rassemble la famille, c'est la cuisine. Donc, c'est souvent là que planifie et développe nos objectifs. Donc, on te dit peut-être que ça serait bien de t'asseoir avec ta famille, de préparer un bon repas et de t'asseoir à table avec ta famille et de discuter de vos projets. Qu'il faut avoir des projets, et si on n'a pas de projet, ben c'est un petit peu
Hein, voilà, on ne peut pas prendre de plaisir. S'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de plaisir. Ce que j'entends. Et comme ça, on regarde, on se pose, on regarde et on se dit, ben voilà, moi j'ai ce projet, alors j'aimerais en parler avec vous, blablabla, blablabla, blablabla. Reconnaître son âme. Donc on te dit, alors offrande de prêt, de prêt, ah, ta 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 ta, offrande de prêt, est-ce que nous aurons des offrandes de prêt? Directement connectées à notre chakra cœur. Ok, donc on nous dit que, on est peut-être certains là qui écoutent ce message. Sont peut-être sensibles aux énergies qui les entourent. Et que c'est peut-être pour ça qu'on vous disait de vous retirer dans la nature. Que vous êtes au bon endroit, j'entends vous êtes au bon endroit, mais il faut peut-être prendre du temps de se retirer dans la nature, qu'il fasse chaud, froid, humide. Voilà, on se couvre et voilà, hein, on sort. On dit aussi là qu'il y a les personnes qui écoutent le message, ils ont un lien fort avec Hawaï. Peut-être qu'il y a une histoire de vie antérieure aussi à Hawaï. Donc, il y a aussi une histoire de vie antérieure à Hawaï. Donc, si j'en reviens au savoir intérieur, peut-être qu'il y a une mémoire de, j'entends là, par rapport à la médecine qui pratique à Hawaï. Donc là, ce que j'entends, c'est Ho'oponopono. Hein? Et Ho'oponopono, si ce n'est pas une offrande de paix, je ne sais pas ce que c'est. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Voilà. Donc, Sandalphon, le prophète, il te dit, Sandalphon est présentement dans vos énergies afin de vous aider à intégrer les nouvelles énergies présentes sur la Terre-Mère. Il fait partie des archanges les plus lumineux et il vous guide dans votre évolution spirituelle. Il vous apporte du courage et de la force nécessaires pour libérer les blessures du passé. Donc, on vous dit aussi, Sandalphon, comme c'est le prophète de la musique, il dit aussi, détends-toi, c'est ce que j'entends. Des fois, pour libérer certaines blessures, il faut aussi avoir du courage. Hein? Tu as eu beaucoup de courage et tu as fait preuve de beaucoup de résilience. Et c'est aussi en lien avec le fait que tu sois un ange terrestre. Tu sais que c'est ta mission à hein, quelque part, la résilience. Hein? On te dit là que ta télépathie va augmenter. Alors, attention pour les gens qui vont te fréquenter. Parce que là, tu vas tout entendre. J'ai carrément ma chaise, elle s'est reculée. Vous n'avez pas toujours besoin de mots pour vous faire comprendre puisque vous êtes apte à communiquer par télépathie avec les gens de votre entourage, notamment avec une personne en particulier. On vous demandera bientôt de l'aide face à une situation particulière. Là, ce que j'entends, c'est que tu vas, quelqu'un va te demander de l'aide, mais tu vas l'entendre à l'avance. Tu vas l'entendre à l'avance. Alors, j'entends, il y a un homme qui va te demander de l'aide. J'entends que il y a un homme qui va te demander de l'aide, mais tu vas l'entendre avant. C'est comme si tu vas le savoir avant lui va te demander de l'aide, tu le sais. Il va te demander de l'aide pour être plus en paix, pour qu'il puisse se concentrer sur ses forces et surtout sur son cœur. J'entends aussi que peut-être tu seras vers qui te tourner, toi, parce que là, c'est un homme qui va te parler en télépathie, qui va te parler en télépathie parce qu'il va aller directement t'envoyer le message à travers ton cœur pour te montrer quel chemin te procurera le plus de paix pour ton chemin d'ange terrestre. Hein? J'entends que tu vas rencontrer peut-être un prophète. Et des prophètes, il y en a. Alors moi, le mot prophète, je l'associe pas forcément à un truc religieux. C'est pour moi, c'est un prophète, c'est quelqu'un qui va prendre la parole et qui va prêcher sa bonne parole, sa manière de faire. Voilà. Enfin, ça veut dire beaucoup de choses, prophète. Donc voilà, on te dit que tu vas te diriger vers un prophète aussi, hein, qui va t'apporter plus de paix, qui va te connecter à ton chakra et qui va t'aider à retrouver ta famille d'âme aussi. C'est un beau tirage. Je vais finir avec une carte et après, je vais prendre un message d'Ama. Parce qu'en plus, au moment là, c'est le week-end où elle vient. Donc, je vais prendre un message d'Ama. Hop là. Celui qui se consacre vraiment à Dieu se voit en l'autre.
Il prend donc soin de nuire à personne et de ne blesser personne. Ok. On te dit là, voilà. Alors, même si tu n'arrives pas à prendre de plaisir, tu as vu, et que tu n'es pas forcément bien, tu n'es pas obligé de blesser les autres, hein. Que tu mènes une vie de famille ou une vie de renoncement, ce qui est déterminant, c'est ton état d'esprit dans lequel tu accueilles la vie et les expériences qu'elle t'apporte. Ok, ben, message, il se suit. Hein. Ok? Quel que soit le chemin que tu mènes, un chemin spirituel, un chemin, voilà, n'importe quel chemin, c'est ton état d'esprit c'est la manière dont tu vas dire et faire les choses qui va tout déterminer. Qui va déterminer aussi de comment ça va se passer. Ok? Ça dépend. Il y a beaucoup de choses dans ta vie. Ça dépend de ton état d'esprit. Ok. La grâce, c'est l'ouverture, c'est une connaissance spirituelle intuitive qui s'exprime dans l'action. Sois humble et considère-toi jusqu'à la fin de ta vie comme un débutant. Voilà, voilà, on ne pourrait pas mieux finir avec un mot. On te dit, plus tu répéteras, je ne sais pas, et plus tu sauras. C'est ce que j'entends là. Et plus tu vas apprendre. Plus tu vas répéter, je ne sais pas. Quand on te poserait une question, et que vraiment tu sais pas, que tu cherches pas à donner une réponse qui va faire parler ton mental, tu dis je sais pas. Et c'est en disant je sais pas que tu laisses de la place. Et elle est là toute la grâce aussi, c'est ce que j'entends. Donc, toi qui lis ce message, danse, prends du plaisir, tu es un être spirituel, ok, tu es un ange terrestre, tu as un savoir intérieur qui est fort, tu te trouves pas à ta place dans ta famille terrestre, mais on te dit apporte de la paix. Apporte de la paix à ton masculin, petit intérieur, extérieur, et concentre-toi sur tes forces et sur ton cœur. Demande à Sandalphon, le prophète, de t'aider. Demande à être en télépathie, dirigé vers la bonne personne pour t'aider à retrouver, à prendre du plaisir. À retrouver du plaisir, parce que c'est important. Voilà! Voilà, bah écoutez, je vous remercie tous. N'oubliez pas le jeu. Donc, ce que en barre de commentaires, mettez-moi votre oui, je participe. Et comme ça, moi je retiens les noms. J'espère juste qu'il y a tout qui s'affiche. Sinon, je verrai. Sinon, dans ma barre d'infos, je mettrai ma boîte mail et puis vous m'envoyez un mail et vous me dites je participe au tirage au sort. Ok? Ça marche, bah, je vous remercie tous bien. Bien beaucoup, je vous remercie tous bien beaucoup et je vous dis à bientôt.